Hello tout le monde, c'est Italo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'épisode 1 de notre premier Fallen Kingdom sur la chaîne Italo Gaming ainsi que sur celle de Polo. Et je me retrouve en compagnie de Nazio, de Citorax ainsi que de Polo. Comment vous allez les gars? On va bien. Ils vont bien, mon dieu. 6h30 du mat, mais ouais. Ça fait tellement plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour cette petite série minecraftienne PVP. Du coup... règle classique du Fallen Kingdom, ça vous faites ce que vous voulez dans votre base, et évidemment on ne peut pas poser des blocs en dehors et tout et tout. Après donc, ne pas poser de blocs en dehors de votre base, salle des coffres accessibles sans casser de blocs. Là c'est pour l'objectif Nether qui sera de ramener, les gars, un bloc de quoi? Alors un bloc de glow. Alors un bloc de glowstone, de netherrack, de stone brick et de soul sand. C'est ça, c'est exactement ça, et évidemment le PVP s'activera jour 2, j'ai et fait un légend, les assauts jour 4. Du coup, ça veut dire que jour 1, 2, 3, on peut pas assaut et jour 1, on ne peut pas PVP. Mais après, ça sera open bar ma gueule, on fera ce qu'on voudra. Le portail du Nether se trouve juste au-dessus de notre boutiqueur. Et je tiens à remercier notamment Citorax qui nous a fait une très jolie map. À remercier aussi Jade Shadow Wolfie qui nous a fait les petits skins de Cupidon, de petit ange. Regardez, on est en slip, c'est génial. Et puis voilà, et moi je commence à perdre la bouffe, c'est génial, j'aime ma vie. Ah bah il est tombé, il a chu. Du coup voilà, donc est-ce que vous êtes prêts les gars? On va commencer, je pense, tranquillement. Du coup, c'est parti et surtout bonne game, il va falloir se mettre dans des canaux différents que j'ai oublié de créer sur Discord. Mais c'est pas, et voilà. Du coup on vous retrouve dès qu'on est dans les bases et tout, tranquillement, chacun dans nos bases quoi. Voilà les amis, donc nous sommes arrivés dans notre petite base. Donc on va leur dire un petit bonne chance, très clairement. Mais on sait tous les deux qu'on va gagner. Là t'as la chance de dire dans l'équipe. Ah. Mais comment on fait pour dire bonne chance dans le chat global? Tous, voilà, c'est bon. Voilà. Donc hop, on va commencer à prendre de la nourriture et aussi du bois. Et moi, du coup je suis avec toi mon petit Citorax. Beaucoup, on a décidé de faire la série ensemble. Alors, je crois que tu l'as, Guitalo. Oui, j'ai eu quelques petits frisottis, mais là, normalement, c'est censé aller mieux. Non, merde, Doom, pourquoi tu lag? Non, mais ça va, je vais bien. Bon, on va faire un truc. Tu prends de la bouffe, je prends les... Déjà, on va prendre du bois. Je pense que ça pourrait... Ouais, pourquoi j'ai le getting wood? Parce que t'as pas ouvert ton inventaire. Ah. Voilà. Oh. Getting wood, du. Ça, tu avais déjà eu, parce que quand t'as bu ta... Du coup les petits potes, j'espère que vous êtes très très contents de voir cette série arriver. Beaucoup, enfin nous ça faisait longtemps qu'on voulait la faire, très clairement. Donc on en a eu l'occasion. Du coup voilà. Donc on a le timer à droite et tout qui va nous afficher les jours, patati patater. Donc évidemment pour ma part ça sera 20 minutes de vidéo à chaque fois et une diffusion tous les 2 jours, tout à fait. Hop, je vais rentrer à la base. Oh, regardez le petit Angelo. S'il est pas beau. Alors, par contre, je peux vraiment plus courir. Je suis dans la PLS, c'est plus total. Mais t'as déjà plus de bouffe? Bah ouais. Mais t'as fait courir. Faut s'économiser, t'as Mais écoute, moi je n'ai même pas à m'économiser. Surtout avec toi, ma petite Cito. Oh, ma petite Fraulein. Fraulein. Je peux pas casser de blocs. C'est embêtant. Mais si, normalement il peut. Tu parais qu'il s'est mis dans la mauvaise... Mais non, il s'est pas mis dans la mauvaise team. Waouh. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Attends, je peux pas casser le bloc. Comment ça, il peut pas casser le bloc? Mais pourquoi il s'est mis en adventure mode aussi? Mais parce qu'il est con. C'est tout. Je pense qu'on peut dire ça. Mec, t'es le pire. Il est nul! Je peux casser. Mais mec, tu veux qu'on dise quoi? Tu veux qu'on dise quoi face à ça, quoi? Non. Bah si. Mais parce qu'il en... Oh là! Putain, il est nul, là! Mais oh là... Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Tu m'expliques? Hop, je vais récupérer un peu de stone. Attends. Mais je suis con, je mine avec ma pioche en bois alors que j'ai une pioche en... Eh ben on n'est pas efficace, hein? Et des goûts. On est pas efficace, Alors, hop. Par contre, Mais ou ça, c'est parce qu'il lag trop qu'il peut pas casser. Non, c'est juste qu'il est en aventure mode, il est con. En mode... Je crois que t'as chu dans les grottes. Je suis dans le caca. Voilà. C'est ça. Ok, donc bon, au moins on a déjà un accès direct. Faut venir m'aider là.
Oh, mon je petit pote. Je suis tombé dans une grotte. Je t'aime énormément, ce n'est pas le problème, mais moi, mon but, c'était juste de faire une petite épée, une petite hache pour aller récupérer du bois et des meubles. Hein. Tu veux pas venir m'aider? T'as tout compris. C'est méchant. Il y a un squeleton. Mais pourquoi il y a un squeleton? Mais pourquoi on est la nuit ou quoi? Mais c'était pas le jour qu'on a commencé? Non, on a commencé une nuit. Ah bon? Ah mais non. Ah mais non, mais non, mais non. Bedeuil, voilà. Voilà. Ah non. Le mec où il triche. Ah mais non, mais en fait c'était bon. C'était bon, il y aura un petit décalage de 3 minutes à chaque fois, mais ah non, non, c'était bon, en fait, c'est juste qu'il neige tellement que les mobs, ils peuvent spawner. Très bien. Voir sur des petits bails comme ça. J'ai vraiment un problème, hein. Ouais, mais moi aussi, je peux plus courir. Bah, moi, j'ai trop de zombies, là, sur moi, là. Ah, mais c'est vrai, ça te fait de l'XP, c'est cool. Non, mais oui. Faut les tuer, les zombies. Et moi, je suis mauvais. Mais non, t'es pas mauvais, mon petit toi. Alors, on a un lit, si tu veux, c'est ton spawn, après. Oh, oui. Ah oui, ils avaient cette. Allons au lit tous les deux. Ouf. Son différence que tu me fais là. Non, mais c'est pas possible. Il y a trop de mobs. Mais mec, tu fais quoi? Bah, je suis dans une grotte là actuellement. Tu es dans une grotte. Mais attends, hop. Déjà, je fais un lit. Mais parce que je suis descendu trop vite et bah. Là, le bed rouge. Mais on peut dormir en plus. C'est ça le pire. Bon, bah, on sera de nuit. On commencera de nuit, couteau. On sera FK spécial nuit. J'imagine. C'est la night. Because the night. Ah oui, d'accord, ok, mais en fait, t'as fait un petit trou et tout, de meurt. Mais j'ai pas fait exprès. Putain, mais comment t'arrives à build? On était pas censé build. On est sous la base, Italo. On est sous la base, mon petit pote. C'est pour ça. Ah là là. Ah, du coup, moi, j'ai 7 mon spawn. Donc bon. Ouais, c'est vrai, mais je suis très nul au PVP. En plus, surtout dans FK, j'ai aucune organisation. Mais t'es bon, toi, au PVP par rapport à moi. Et que pour Clazy Blade, je shot de ouf. Ouais. Alors par contre, ouais, on va juste vraiment récupérer masse bouffe les amis, car j'avais fait un FK une fois et le truc qui nous manquait à chaque fois le plus c'était la nourriture. Et ouais, ça, va chercher la nourriture, moi je vais m'occuper des grottes. Ouais, fesse. Ah du coup je vais aller chercher la canne à sucre et tout. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ouais, bah, comme oui, ça oui, on peut commencer à faire des champs de canne à sucre. Par contre ouais, la canne à sucre faut bien la... Enfin des champs hein, parce qu'on en a pas beaucoup. Ouais, on en a pas beaucoup et surtout je vais aussi récupérer le sable. Et prendre du sable aussi avec. Attention, il y a un archer, le premier mob. Ah ah. Ouh, mon son, yes. Le time to care. Et boum. Ça c'est beau ça. Hop là, le mouton il meurt. Boum. Alors, par contre, on a que des moutons autour. Faudra que j'aille chercher de la vache. T'as une idée toi de salle des coffres à faire? Bah écoute. Eh. Je... Voilà. Je sais pas si tu vois. Parce que moi j'ai pas d'idée. Ah. Oh. Et j'ai aucune idée. Ou alors si tu sais, alors faut être bon en redstone. Mais on peut faire, tu sais, le truc, t'as un mur, tu dois jeter un bloc dans un coin. Ah oui, dalle. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Aussi après derrière, moi je me rappelle j'avais fait un FK où on avait juste posé comme une sorte de couche de gravier, tu vois, en mode naturel. On en a rien vu. Mais en fait le truc, c'est que si tu cliquais sur le bord, enfin sur le coin du bloc de gravier, bah tu spawnais dans un minecart et du coup, tu rentres dans la salle. Oh, pas con. Ah, ça, c'est bien, ça. Donc bon, je me dis, peut-être que on peut faire ça aussi. C'est comme tu veux, mon petit pote. Ça peut être bien. Moi, je suis pour. Ça peut être cosy, franchement. Ah, donc, j'essaye d'aller chercher la canne à sucre, les amis. Oh, le sable, là. Il y a du sable, j'ai là, tellement déjà. Plus de vie. Ah, ouais, t'as combien? Ah, oui, c'est pas okay. Ah, du coup, on voit les teams, tranquillement. C'est cool, cool. Ce plugin est sympatoche. Franchement, ce plugin... Ouais, ce plugin est bien. Celui fonctionne vraiment. Wow. Oh, game bro, qu'est-ce qui se passe? Il y a tellement de mobs dans les grottes. Par contre, n'hésite pas à commencer à creuser des labyrinthes avec, pour prendre de la stone. Car on va commencer à faire les murailles très vite. Pas con. Beaucoup parce que 6 jours 2 c'est le PVP, si on veut pas trop se faire spawn kill. Oh, j'ai de l'émeraude, ça peut servir, hein. Ah oui, surtout avec des villageois. Attends, on a pas de villageois. Je comprends pas. J'ai pris 32 sables, ça sera suffisant pour le moment. Ah oui, mais c'est vrai, il faut du sable pour les TNT. Ah, surtout. Je peux pas poser de bloc ici, merde. Mais il nous faut du sable pour les TNT, surtout. Il n'y a pas pensé à ça. Ah bah, va falloir que t'en prennes tout autour du. Ouais, bah là, on va en prendre pas mal hein, pour le coup. Alors, où est le lac avec la canne à sucre? Non, mais c'est bon, à chaque fois, il y a des petits lacs avec du sable, c'est cool. Si tu me vois mourir, bah c'est normal. D'accord, plutôt bien. On part sur des bonnes bases, hein, tout clairement. La première mort, elle va être pour nous. Hop.
Non, non, ça va, ça va. Je me suis. J'ai survécu à l'attaque de zombies. Ah oui, et les amis, si vous voulez la map en download, en téléchargement, si vous voulez qu'elle soit accessible, on veut un max de pouces bleus, un max de commentaires, ainsi qu'un max de partage. Et selon voilà. le nombre de partages. Le nombre de max. Voilà. Le nombre de max, voilà. Donc si tu t'appelles Maxime, bienvenue à toi. C'est tout. Ah tout, putain. Et selon le nombre qu'on aura reçu et tout, et tout simplement le nombre de personnes qui sont sur la série, dans ces cas-là, on mettra la map ou non en téléchargement. Un téléchargement. Un téléchargement, c'est... C'est... J'escalade des montages, je ne sais pas où je vais, mais c'est pas grave, j'y vais. Hein? Oh non, il y a un bloc. Beau. Mais attends, mais le lac, il était pas... Ah, il est là! J'ai trouvé. Le lac isolé. J'ai trouvé le lac. Après, il faut retrouver la canne à sucre, et ça... En plus, c'est moi qui ai posé la canne à sucre, hein, mais bon. C'est un peu ridicule oui. Si j'arrive pas à trouver. Donc, au moins, tu sais... Mais mec, tu rends compte, ça fait déjà 10 minutes. Putain! What the fuck? Non! C'est, je suis pas c'est marqué jour 0, minute... Ah, minute 9, ok, putain, je voyais 9 secondes. Bah oui, habile. Y'a un problème. Habile. Oui, du coup, le jour 0, ça va correspondre au jour 1. Hein. Je chipotais pas. C'est bon. Ah, par contre, je n'ai plus de nourriture. Chipotais pas. Attends, mais il est où le lac? J'ai perdu un lac géant de 8000 mètres carrés. Enfin, 8000 bocs carrés, mais... C'est ça qui est gros. Hein. Vieux? Je suis full teubé en vrai. C'est pas possible que tu le perdes. Si. Tout était possible avec la carte qui... Oui. Et fais gaffe, la map elle est grande donc tu peux te perdre oui. Facilement. Oui, c'est ce que dans les arbres. Ah. Attends, je crois que j'ai retrouvé le lac. Ouais, c'est bon, j'ai Ah, mais en fait, c'est pas le bon lac. Bah, t'as un lac quoi. Ouais, attends, hop, déjà je vais descendre. Bon, je n'ai plus de nourriture déjà. Ouais, moi non plus. Il fait jour ou nuit? Il fait. Il commence à faire jour, j'ai l'impression. Ah merde, bah faut que j'aille dormir parce que sinon. Si je vais être dans le caca. Est-ce que je serais pas parti du mauvais côté? Non, non, je suis bien parti à droite, du coup c'est cool. Normalement. Mais vieux. Mais dis pas que j'ai passé mon premier épisode à faire que ça. T'es sûr que tu regardes la bonne. Bah, la ouais. Même base? Bah oui, même j'ai la map sous les yeux là donc en soi. Ah oui, mais tu es sûr que tu regardes la bonne map? La bonne base? Bah. Ouais. Je crois, je pense. Maintenant, mais en tout cas, je n'ai pas sûr. Je vais commencer à re-rentrer, mais. On ira la chercher plus tard, mais c'est chelou quand même. C'est chelou, vieux. C'est pas bien. Enfin, oh, de la bouffe. De la bouffe. Oui, je t'avais mis des trucs à chauffer. Donc bon. Tranquille, oublie. Je pense que ça va être tellement drôle ce. Ce FK, mec, on est tellement paumé, vieux. On commence tellement bien. Ah! Ok. Ok, ah oui, en plus j'ai rien pour creuser la stone et tout et tout. Aïe, oh non. Alors, attends. Ah non, la connerie. La connerie à ne pas faire, les amis. Mais t'as déjà des minerais de fer, quelque chose comme ça? Ouais, attends, mais c'est nice. Où la limite de la base rouge? Limite de la base rouge? Rouge. C'est tout le carré, quoi. Donc c'est là. Ah, mais c'est un blaireau, il neige tout le temps. Tout le temps. Bon, la cul. Hein? My god. Alors, okay, très bien. Par contre, avant la musique elle s'emballait de ouf, mais là quand on a commencé la vidéo, rien, niet que pouik nada. Attends, mais je comprends plus rien là. Qui se passe quoi? Hein? Hein? Ouais, j'aurais dit pareil, ouais. Ah. J'arrive. Tu vois, je veux faire les délimitations de la base, mais c'est super ouais. Bizarre. Pourquoi? Mais je sais pas où. Attends, là, non. Il se passe des choses, les amis. Ah, merdoum! Attends. Ah, pourquoi je ne peux pas utiliser le SHTP? C'est trop triste, en plus on est vachement loin. Je dois rentrer à pied comme ça. Mais là actuellement, ouais, je suis vraiment dans la big zone enneigée à la con là. Donc bon, génial, franchement. En fait, je suis con, je peux pas construire à côté. Bah oui. Ah oui, donc bah voilà, c'est ça la taille. Je suis totalement con. Je comprends pas pourquoi je n'ai pas posé les blocs dehors. Hein. Regardez, hop là, si on essaye, ça peut. Vous n'avez pas le droit de poser de blocs ici, très bien. Par contre, dans les grottes, c'est super chiant de pas pouvoir poser des blocs. Ah oui, bah ça... Va falloir user de l'eau, hein, très clairement. L'eau. Ah, l'eau. Source de vie. Oh, y'a des poulets. Y'a des poulets. Donnez-moi des œufs, les gars. Donnez-moi des œufs. Comme ça, je vais pouvoir vous faire reproduire plus tard. Parce que vous êtes très loin de la base et j'ai pas le temps de les aller. Oh, oui.
Et elles m'ont donné 0 œuf. Eh, les radines! Quelle bande de poules! Le mec vénère. Ah, on va rentrer tranquillement. Bon, les amis, on va rentrer tranquillement à la base, pour le coup, mais. Oh! Il y a un minerai de charbon qui se balade tranquillement dans les prés. Quoi? Oh, attendez. Oh, je crois que je retrouve le chemin de la base, là. Je crois qu'on y est presque. Bien, je crois. Mais du coup, t'as trouvé la canne à socle? Oui? Non? Peut-être, possiblement. Je sais pas. Si je te dis non, enfin franchement entre nous c'est trop grave, si. Un petit peu quand même. Un petit peu. Par contre on a pas de arbre à pommes. C'est triste pour faire pour faire les pommes de neige ça. Ah putain, c'est... oh j'ai totalement oublié de les mettre quand j'ai fait la map. Bah du coup pas de problème hein, potion niveau 2. Au calme. Alors par contre là ça va faire mal. Tu fais un bobo? Oui bah oui. C'est pas moi. Mec on m'appelle l'alchimiste dans le milieu. On m'appelle l'alchimiste. Aquarium en droite. Ah oui, d'ailleurs, très bien, ils sont déjà offerts. What the fuck? Mec, mec, on a tellement de retard! Bon, tu disais que s'ils gagnaient, c'était pas grave, hein. Aïe, pardon, je vais finir un demi-cœur, mec, je vais me prendre une flèche furtive, j'ai rien à comprendre. Voltev. Je vais être dans la PLS la plus totale. Donc bon. Oui, mais parce qu'eux, ils doivent être tous les deux à miner. Bah donc, ouais. À un moment, ils vont pleurer de bouffe, ils vont mourir. C'est ça. Alors que nous, on va sauf avoir. Que... Oh! Mais pourquoi je suis là? What the hell, bro? Comment j'ai réussi à retourner ici? Mais t'es où? T'es au spawn? Ah oui! Le mec, mais what the fuck? Bon, elles sont où? Tu les coordonnées peut-être? Ouais, pour pas que je me dirige dans la mauvaise direction. Ok, donc c'est moins 493 et 66. Ouais, c'est là-bas. Et très bien. Ah, il y a une vachette, je vais essayer de prendre le cuir. Ça va là. Non, mec, j'ai un demi-cœur. On se met bien. Ah, oh, j'ai du diam. Mais non. Mais est-ce que t'as dû faire Bah non. Ah. Ah. C'est pas fou ça. C'est ça le truc bien, tu vois, c'est que... Voilà, hop, voilà. Par contre, j'ai pas trouvé énormément de mobs maintenant, il y en a plus. Ils sont plus de là. De mobs quoi? Bah des mobs. Bah oui. Pendant la difficulté est bel et bien normal, ça je te confirme, hein, le demi-cœur me le présage bien. Mais moi j'ai rencontré un petit creeper du squelette, c'est tout cool, on a papoté tranquillement, on a pris une tasse de thé. C'est le temps qui spawn et tout, parce que là il vient juste de faire nuit. Donc bon. Ayant tout bien réfléchi, j'aurais peut-être dû aller pisser avant. Tu es là? Ah! On va bien jouer. C'est la pause pipi qui va s'imposer en plein milieu. Ça va, c'est... Tu come back quoi. Ta maison c'est pas un manoir donc... Qu'est-ce que t'en sais d'abord? D'où tu dis que c'est pas un manoir comme ça? Non mais j'ai vite calé là parce que j'en ai marre. Ah! Ok bah vas-y fonce. Donc, fonce Alphonse. Fonce Alphonse. Ah non. Tu fais pas de conneries hein. Ouais je risque juste de mourir mais mis à part ça tout va bien. Allez voilà. Mais par contre tu dépêches hein, moins de 3 minutes hein. Parce que quand même faudrait faire la conclusion ensemble quoi les amis pour le coup. Parce que s'il part et qu'on peut pas faire la conclusion ensemble, c'est pas foufou quoi. C'est pas le folichon. Mais ensuite, je pense, tu vois, dans le prochain épisode, on va partir en grotte tranquille. On va cette fois-ci le faire lui aller chercher la canne à sucre pour le coup, parce que j'ai vraiment pas été doué. En fait, je comprends pas, parce que c'est moi qui l'ai posé. Normalement, je suis censé savoir pile poil là où elle doit être. Mais non. Le gars a complètement perdu la notion de l'espace et du temps. On est en train d'entrer à la base tranquillement. Mais au final, on récupère de la bouffe, donc bon, ça c'est cool. Il y a des petits moutmouts sur notre chemin. Voilà notre belle base rouge. Vous avez vu l'ange quand même, il a une auréole rouge. Et vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans la team rouge. Mais oui les amis, vous avez tout compris. Vous êtes intelligents, je suis fier de vous. Ah là là. Je crois que je vais bientôt regretter d'avoir tué, d'avoir fait un génocide de moutons. J'aurais dû les... Comment ça s'appelle? Les élever, mais non j'avoue que c'est chiant. Oh, c'est trop chiant d'élever en fait. Donc bon, bah steak. Bah les steakos, par contre on va faire des champs de blé. Et si on arrive à faire une patate ou une carotte, oh, faire des attaques en invisible, ça serait le must du must. Ça serait de ouf bien. Donc faudrait juste avoir une carotte. Beaucoup. Alors hop là, voilà, on a réussi à rentrer dans la base tranquille. Oh, on a the piggy style. It's a piggy style. Voilà, vous entrez dans la base rouge, parfait. Ah. Spring, Alors par contre va falloir vite construire la muraille parce que là le PVP va être activé bientôt hein. Déjà? C'est déjà jour 2? Mais oui! Mais je te dis jour 2, c'est jour 1 là. Mais oui mais... Mec,
Quand on va passer au jour 2, le PVP sera activé. Mais là, on est jour 1. Mais oui, mais justement, le jour 2, le PVP. Non, là, on est jour 0. Non, mais. Oh, j'ai dit, arrête de chipoter. Arrête de chipoter. Mais t'as pas du charbon? Du coup. Hein oui, oui, non, mais j'ai tout, faut juste que je remonte. Vas-y, vas-y, pour le coup, parce que moi, j'ai réussi à prendre pas mal de bouffe. Bon, hop, nous aussi, on va un peu miner, les amis. J'ai bien éclairé les grottes. Bon, normalement, on a plus de problème. Ah, j'ai bien éclairé la stone pour le coup, ce serait oufissime. J'ai pas de stone. J'ai énormément de d'andésite, mais ça pète ultra facilement. Ah, mais c'est pas grave, ça. Non, mais au moins que tu vois qu'ils peuvent pas passer pour nous piller tout. Bien en haut. Ouais. Et aussi, si tu pouvais mettre à chauffer ce que je vais mettre dans le four, ce serait le must du must d'Abrisher. Mais genre, t'as pas un tout petit peu de cobblestone à me passer? Si, 32. Ah, voilà. En fait, moi, je voulais juste me faire une pioche de base, je t'avoue. Bah, tu peux m'en donner 8 pour faire un nouveau. Pourquoi t'as un chien? Voilà. Non, il est pas moi, alors. Laisse-le en dehors de tout ça. Franchement. Attends, mais il est monté là. Tranquille, ça. C'est même pas sa maison, il lui monte là. Les mobs passifs qui spawnent à côté de nous, ça j'aime beaucoup. En fait. Passif? Ouais. C'est sympa. Bah oui, justement. Parce que là, il y a des vaches tout à côté. T'as pas fait de nouveau. Merdoum. De quoi? Bah t'as pas fait de... Attention, 30 secondes avant la fin du jour, hein, les amis, on va se laisser. Et oh, et n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu qui fait plaisir, à partager la vidéo et à la commenter. Laissez-nous tous vos avis dans les commentaires, pour le coup, on sera ravis de les avoir. Et est-ce qu'on ferait pas une Sadakov qui sort, tu vois, de la base, mais ensuite qui revient, en mode, ça peut les induire en erreur. Oh. Ça pourrait être stylé. Ça pourrait être vachement stylé. Et bref, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve dans 2 jours pour le prochain épisode. Bref, d'ici là, portez-vous bien. Ciao.